1h45 de temps pour sa sieste, ce qui est génial. Donc j'ai le temps de faire pas mal d'affaires. Puis si vous n'êtes pas au courant, Léa a commencé à marcher dimanche dernier. Elle faisait déjà quelques pas avant, elle faisait 4 ou 5 pas. Mais pour moi, ça, c'était pas marché. J'attendais vraiment qu'elle en fasse au moins 9-10. Puis elle en a fait 11 de suite dimanche dernier. Donc là, je me suis dit, ok, c'est bon, Léa marche. Alors, je vais essayer de prendre un petit vidéo aujourd'hui pour vous montrer ça. On a un couple d'amis qui vient cuisiner chez nous ce soir. En fait, ils nous avaient invités chez eux, sauf que c'est plus pratique pour nous qu'ils viennent chez nous à cause de Léa. Donc voilà, ils vont venir chez nous, mais ils vont cuisiner pour nous. Donc on n'aura rien à faire. Donc là, faut que je range, faut que je fasse toute la vaisselle, faut que la cuisine soit propre pour que ce soit un environnement agréable là, pour cuisiner pour eux. Et puis on va faire quelques commissions. Il fait super beau aujourd'hui à Montréal. Là, mon dîner est au four. J'ai aussi des petites retouches peinture à faire ici, puis je pense pas qu'on les voit là, mais ici aussi. Oh, j'ai un cœur dans mon café. C'est un signe. C'est un signe, ça. T'as un cœur? Regarde. Waouh! C'est un signe de quoi? Léa est en train de dîner. Elle c'est terminé, là, il n'y en a plus là-dedans. Mangue, pomme, carotte et pêche. Elle a adoré ça. Et puis, j'ai acheté ça hier à la pharmacie. C'est des puffs. C'est des puffs de maïs soufflé. Saveur de riz soufflé, excusez. Excusez. Saveur de bleuet et de vanille, sans OGM et tout ça. En fait, j'ai acheté ça pour que Léa puisse apprendre à mâcher, étant donné qu'elle a beaucoup de misère. Puis qu'elle a toujours envie de vomir à chaque fois qu'elle met quelque chose de solide dans sa bouche. Mais là, elle est capable d'en manger, puis c'est vraiment génial. Ça dit ici, à partir de 8 mois, Léa a 11 mois et demi. Au pareil, on voit pas, mais... Et voilà, ça dit que c'est pour les bébés de 8 mois et plus. Là, elle en veut d'autres, là. Je vais y en donner d'autres. Tiens. Tiens, montre à tout le monde comment t'es bonne. Mâche. Good job! Oh, je suis tellement fière d'elle, honnêtement. C'est tellement un poids qui s'enlève de mes épaules de savoir qu'elle est capable de manger du solide. Sans vomir. Avec de l'eau. Alors, je lui ai acheté aussi... Ah, ben tiens. Des Baby Mom Moms. Ça c'est à la banane, puis elle en a aussi à saveur de pomme et citrouille. Alors ça aussi est capable de manger ça, génial. Et ça c'est les céréales que je lui donne maintenant. C'est des céréales de la marque Gerber. Ça c'est avoine, banane, mangue, mais là présentement elle est en train de prendre... blé, yogourt et framboise. Donc ça aussi, ça dit à partir de 8 mois. Donc c'est pas tout à fait lisse comme la marque Heinz. La marque Heinz, ils en font des céréales pour enfants, mais c'est super lisse. Fait que là, je voulais quelque chose qui soit un petit peu plus épais. Puis au départ, je les aimais vraiment pas, mais je les aimais pas parce que Léa était pas capable de les manger. Mais voilà. Donc on a ça maintenant. Ça? Ici là, je sais même pas si ça vole, on dirait une tortue. C'est une punaise ça. Je voulais vous faire un petit haul de choses que j'ai acheté, de vêtements en fait que j'ai acheté pour Léa.
en ligne sur Carter's Oshkosh-Bagosh. Donc, Léa, son anniversaire approche à grands pas. Puis ça, je voulais lui acheter un petit ensemble pour sa fête. Donc j'ai acheté un t-shirt comme ça ici. Ça dit Birthday Girl avec une petite couronne en paillettes dorées. Puis avec des petits petits confettis là ici encore dorés. Donc ça, elle va porter ça ben, la journée de sa fête, c'est un vendredi. Puis on va aller à Québec pour fêter avec ma famille. Donc elle va pouvoir le porter 2 jours de suite là, sans problème. Ensuite, j'ai acheté son outfit de Pâques. Donc Pâques, c'est fin avril cette année, c'est assez tard. Alors je lui ai acheté des petits pantalons roses comme ça. C'est dans le 18 mois. Et pour aller avec les pantalons roses, c'était un kit là, c'était déjà... on achetait les deux morceaux ensemble. Il y a 2 petits lapins super cute dans le bas. J'aime bien ici le détail sur les manches, ça j'adore ça. Il y a une petite boucle rose et c'est gris et blanc ligné. Puis moi j'adore le gris, pour moi, j'adore le gris pour les enfants, je trouve ça très très beau. Donc ça c'est son outfit de Pâques. Ensuite, je lui ai acheté une tunique en fait, très colorée. Je me dis, tu sais, quand on est adulte, on n'ose pas trop s'habiller dans ces couleurs-là, du orange fluo, du rose fluo. Donc quand on est bébé, c'est le meilleur moment pour porter ces couleurs-là. Donc c'est à manches courtes. Comme je viens de dire, c'est une tunique, donc elle va pouvoir porter ça avec un petit legging 3/4, peut-être blanc. Moi, j'avais pensé à blanc, comme ça. Alors, sur les manches sont repliées. Je pense pas qu'on puisse... Peut-être qu'on peut voir le détail sur la manche. Super cute. Donc, peut-être, si ça lui fait encore au mois de mai, ça pourrait être son outfit pour la fête des mères. J'avais pensé à ça. Et ça, c'est vraiment le prochain vêtement, là, c'est vraiment un coup de cœur. C'est une pièce bleue style jeans, comme ça ici, avec les petites manches, avec des petits volants comme ça. Il y a 3 boutons à l'arrière, puis il y a des boutons snap ici tout le long. Il y a un beau petit détail. Puis il y a des cerises. En fait, sur internet, je pensais que c'était comme des feuilles. Mais en fait, quand j'ai reçu, je me suis rendu compte que c'était des petites cerises blanches. Elles sont blanches. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur. Je trouve ça super, super beau. Puis c'est vraiment pratique aussi. T'as juste besoin de lui mettre ça. Puis t'as pas besoin de penser aux pantalons qui vont avec, aux chandails qui vont avec le pantalon. Ça, c'est génial. Et étant donné que Léa vient de commencer à marcher, j'ai pas pu m'empêcher de lui acheter une petite paire d'espadrilles, comme ceci. Alors elles sont roses, c'est des velcro sur le dessus, comme ça, avec de la paillette rose gold dessus. Donc je lui ai mis déjà, c'est très très souple, hein? C'est ça que ça prend là, quand le bébé commence à marcher, tu peux lui acheter des chaussures. Elle porte du 9 à 12 mois. Donc j'avais mesuré forcément ses pieds avant d'acheter sur internet. Puis ça lui fait parfaitement. Puis elle est capable de marcher avec ces petites chaussures-là. C'est sûr que l'idéal pour les bébés, c'est de marcher nu-pied, même s'ils savent marcher. Parce qu'en ce moment, oui, elle sait marcher, mais tu sais, elle n'est pas capable de marcher pendant des heures de temps, on s'entend. Elle fait des pièces au complet, mais tu sais, c'est tout, là. Donc je lui mets peut-être 1 ou 2 fois par jour, là, juste pour le fun. Mais sinon, la plupart du temps, Léa reste nu-pied. C'est vraiment juste que, en tant que parent, on est tellement excité que notre enfant marche que j'ai pas pu m'empêcher. Puis en plus, ça valait comme 10$. Donc, je me suis dit 10$, let's go là. Ah ouais, achète-les. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Bon, ben finalement, Florian m'a devancé pour les retouches. C'est difficile parce que quand ça sèche, t'sais, on voit comme quand même des petites taches. À la lumière, ça paraît pas, mais t'sais, comme le soir, ça paraît. Les retouches? Ouais. J'ai remarqué. Ouais. Ouais. Bon. Ça sera mieux que des spots blancs, quoi. Ah, oh, ben c'est sûr. On a un cadre bleu pour aller là.
Je vais vous le montrer. Ce cadre-là ici, qui fit vraiment pas dans cette salle-ci, mais que Florian avait acheté. Fait qu'on se dit peut-être qu'on va le mettre, étant donné que c'est dans les mêmes tons que la cuisine, qu'on pourrait le mettre dans la cuisine. Donc, tantôt, on va aller prendre l'apéro, boire une coupe de bière à la brasserie, la brasserie Aricana, qui nous a été suggérée par une de nos amies. Donc, c'est vraiment bien. J'ai vu qu'on pouvait prendre des... Comme ça ici, qu'on pouvait choisir... Ben ici, il y en a quatre, là, mais je sais pas si tu peux en choisir moins ou plus. Puis c'est dans des petits verres, comme ça, tu peux goûter un peu à qu'est-ce qu'ils ont. Ça, c'est des verres de 5 onces. Donc, petit menu dégustation. Je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, on va aller là. Bien hâte. C'est parti, le terrain est difficile. Aïe, 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 c'est pas facile de rouler en poussette sur les trottoirs, hein. Il y a une bonne couche de neige. Alors là, ça vibre beaucoup. La caméra est attachée sur, sur la poussette. Bon, on va aller acheter des microfibres au Canadian Tire. Et un bouchon pour le bain parce qu'il n'est plus vraiment étanche. Coucou Léa. Voilà, on est sur Saint-Laurent et ça roule carrément mieux. Ça avance beaucoup plus vite. Parce que sinon, sur les petites ruelles, c'est terrain de crosse. Ça monte, ça descend. Parfois ça freine, parfois ça bloque. Et là ça roule vraiment bien. Ça chauffe, ça chauffe. Et voilà, on arrive au Canadian Tire. Bon, alors je vais prendre des essuie-tout. Ouais, c'est soit ça, soit 8, soit 12. Alors je vais prendre ça, ils ont pas l'air super. Mais bon, pas le choix, on n'a pas trop de place à la maison. Ok. Ensuite, on va prendre les microfibres. Qui est un paquet de 10. Ça va faire l'affaire. Hein. Bah, je vais prendre les gris, hein, parce que les autres... même si c'est les microfibres, je les trouve vraiment laids. Bon, on a trouvé le bouchon du bain. Puis bon, bah là, on va passer à la caisse. Il y a une femme qui voulait savoir si Léa était à vendre. Elle voulait acheter Léa. Est-ce que tu aurais voulu que je te vende Léa à quelqu'un d'autre? Non, hein, je crois pas. Hein. Bon. T'as l'air fatigué un petit peu. Ou tu comprends pas trop ce qui se passe. On est au Home Depot. Il est 17h, l'heure de la fermeture. Comme d'habitude, j'ai fait les choses dernière minute. Je suis allé au Canadian Tire, j'ai cherché une pièce comme ça pour que l'eau s'écoule du bain. Plaque de trop-plein, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais c'était pour voir s'il y en avait une qui était un petit peu mieux que celle qu'on avait. Parce que le bain est minuscule, puis j'aurais voulu voir s'il y en avait un qui avait un écoulement un peu moins rapide. C'est un peu difficile à expliquer, mais en tout cas j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc je rentre à la maison. Et Léa dort, elle a fini par s'endormir, elle faisait des petits gémissements au début, puis maintenant ben là elle est partie là. J'aime ça, le Home Depot, c'est bien plus large que Canadian Tire. Le Canadian Tire qui est à côté de chez nous, il est microscopique. En fait, j'étais obligé de rentrer par la sortie parce que l'entrée, je pouvais pas rentrer avec la poussette. La poussette était trop large. Bon, c'est parti. On rentre à la maison. Honey, do you want another one? Yeah. Okay, there you go. Yeah. Is it good? Yeah. Yeah? Okay.
Very good. Do you want another one? Yeah. Yeah? Okay, there you go. Trop accro. Here you go. T'es trop accro, Léa. Oh non, c'est trop, c'est ta drogue. Tu raffoles des petites bouchées. Oui. J'aurais peut-être pu... En plein sur la table. C'est les bières que j'aime moins. Hi honey. Mais j'aime ça la Guinness. Je disais ça comme... Ah non. Léa est couchée. Oh wow, une bonne soupe. Une belle soupe. Ah, ça c'est mon genre de soupe en plus. Ouais, c'est mon, son genre c'est de genre, soupe. C'est genre, c'est trop mon genre. Je pouvais pas faire plus dans son genre. Ouais. C'est vraiment son genre. Comment tu sais ça? Par la texture, hein? C'est genre trop mon style. Oui. Ça donne du goût. J'adore. C'est de l'huile de sésame grillée. Wow! Ça c'est pour les crêpes, ça? Ça, tu mets ça dans les salades. Cool! Wow. Tu mets ça dans le avec le sucre. Tu mets ça là-dedans, ça donne un petit goût... Les crêpes. Un petit goût de noisette, en fait. Florian, t'es pas obligé de parler 4 fois trop fort. Ah, pardon. C'est bon ou pas? Maximum 2 fois. Ouais, ça va. Ça va? On va dire que ça, c'est bon. Râper le parmesan, couper le bleu. Ah, du bleu. Ça, ah, tiens, vas-y, mets la bouteille là-dedans. Ouais. Ça va mais là, il n'y a pas de bouchon dessus. Pas grave. Mets ça sur la table. Attends, tu peux là. Je fais deux choses. Fais pas tomber sous la terre. C'est bon. Petite puce. Mais du gros dedo. Parce qu'on est tous gauchers sauf Florian. Ah. Florian est le seul droitier. En fait, non, Léa est droitière. Ok. Ah, tu sais déjà? Je suis sûre. Viens, t'as qu'à mettre le. Il y a du fromage. Il y a vraiment du fromage. Ça, c'est nos. Les œufs. Comme ça, il est bon là. Ouais. Comme ça. Voilà. Et comme ça. Un petit œuf. Ça fume. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attention, des petites tranches de rosettes. Petites tranches. Un peu de jambon de Paris. C'est pas très beau vu comme ça, mais... Moi, d'habitude, je les coupe en morceaux. Puis je fais comme ça. Je l'ai. Très fancy. Ouais, c'est ça, je l'ai. J'aime ça quand c'est bien réparti. Ton petit côté parisien. Mais comme ça, ça ressemble à rien en fait. Je t'avouerai. Oh là là, le mini morceau de prosciutto au milieu. Magnifique. Il y a une grosse mouche. Et c'est tout? C'est ça. Rien d'autre? Non.
Un peu de bleu, non? Un peu de fromage bleu.